J'ai eu à jouer déjà plein de fois avec Jouvence, genre sur la publication que j'ai faite là. Il y avait deux joueurs, il y avait Jouvence, il y avait Ulrich Kenom. Et je joue tout le temps avec Jouvence, tous les mardis. Ulrich, j'avais déjà eu à jouer avec lui une fois, mais je savais même pas que c'était lui. Et lors du truc avec Tanico, on a ramené nos amis, ceux avec qui on a l'habitude de jouer. Je les ai ramenés, c'est ce jour-là que j'ai su en fait que mais. Jerry, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour le béret? Eh, hey, attention! Ou bien pourquoi il ne joue pas pour l'équipe nationale, puisque moi en fait je suis le genre de personne, je m'en fous complètement qu'il y ait trop de talent dans le pays. C'est ce sur quoi j'ai vu, c'est ce que moi j'ai vu là. C'est pour ça que moi je milite. Donc j'ai dit, mais frérot, puisque depuis des années on regarde les clubs, je sais pas comment ça marche en fait, le truc. Mais il y a des gens qui ont dit, par exemple, ça se passe pas comme ça, que c'est par rapport à ce que tu donnes en club qu'on te sélectionne. Mais les gars, disons-nous la vérité. Vous voyez, depuis des années, c'est depuis on est en train de voir les capacités en club de chacun pour pouvoir faire l'équipe nationale. Mais on voit que en fait, depuis, on n'arrive pas à évoluer comme on veut. Moi, j'ai fait ma proposition. J'ai dit, mais les gars, allez suivre les matchs des gars là. C'est-à-dire, allez suivre les matchs des gars là que moi j'ai mis sur mon truc là. Moi j'ai dit, allez les tester. Testez-les, voyez si par exemple vous pouvez leur faire des tests pour pouvoir aller dans l'équipe. Les tests, ce n'est pas forcément les appeler pour faire des tests. C'est peut-être aller à leur match. C'est peut-être aller suivre un peu ce qu'ils font. Regarder un peu. Et puis voilà, genre, vous allez voir s'ils font votre affaire. C'est tout. Moi, j'ai fait une proposition. Mais en fait, tu vas voir que c'est là qu'il y a la limite. C'est-à-dire, moi, j'ai dit que dans mon pays, en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont trop intelligentes. C'est pas de la bêtise. Hein. C'est pas que les gens sont bêtes. Il y a beaucoup trop d'intelligents. Et je sais pas, en fait, s'ils n'arrivent pas à mettre leur intelligence dans leur boulot, s'ils n'arrivent pas à mettre l'intelligence au boulot, mais ils veulent toujours mettre l'intelligence dans les choses, comment je vais dire? Ils veulent toujours mettre l'intelligence dans les choses de la vie. Moi, je veux aider mon prochain. C'est simple. J'ai envie de voir même quelqu'un qui est dans le quartier, qui est à côté de moi. Même, j'ai envie de voir quelqu'un même qui joue au ballon au quartier avec moi-même, à l'équipe nationale. C'est-à-dire que moi, c'est mon rêve pour la personne. Ce n'est pas, en fait, ce n'est pas. Moi, je ne suis pas dans votre logique de oui. C'est ce qui devrait. C'est-à-dire que là, les choses sont différentes. Je m'en fous complètement de comment ça se passe. Moi, je suis quelqu'un, j'aime mon prochain. Et j'aimerais même si ce n'est pas quelqu'un qui est pro même. Parce qu'à la base, Uri, c'est un pro. Il a déjà joué pour les juniors. Il a déjà joué pour les juniors. Je ne sais pas en quelle année, tout ça, tout ça. Malgré que même si ce n'est pas un pro, même si c'est quelqu'un qui est au quartier avec moi, j'ai envie de le voir évoluer. J'ai envie de le voir, en fait, aller jouer même si c'est 5 minutes sur un terrain. Je vais dire, ah! Je suis content parce qu'il a fait ci, il a fait ça. Mais vous là, moi je me demande en fait votre cœur là. C'est quoi en fait qu'il y a dans votre cœur? Moi je n'arrive pas à comprendre. Dites-moi. C'est-à-dire aujourd'hui là on va se dire ça. Parce que moi quand je marche dans la rue, je ne vois jamais les gens qui vont me parler en face pour me dire par exemple Axel, les gens ça là, c'est toujours Axel, j'aime ce que tu. Non. Quand vous me voyez maintenant dans la rue, dites-moi. Dites-moi les choses comme elles sont. Parce que, genre, il y a trop d'hypocrites. Il y a trop d'hypocrites. Je vois des gens qui donnent des leçons sur Facebook, par exemple. Sur Facebook, par exemple, par rapport à moi, mon post. Vous donnez quelles leçons par rapport à mon post? Vous avez quoi à dire par rapport à mon post? Moi, j'ai proposé des gens que j'aime, que j'admire, que j'ai envie de voir évoluer. Mais proposez aussi des gens que vous avez envie de voir évoluer. Tous les jours, vous êtes ici. Et puis, vos amis se battent matin, midi, soir, dans les clubs. Et ils ne sont même pas bien payés, vous n'avez même pas la possibilité de faire des posts pour dire, ah, je t'encourage. Je t'encourage pour que tu puisses aller loin. Ah, et c'est un talent, ou bien mettre ça par exemple. Vous pensez qu'en fait, et la fédération va faire le tour de tous les clubs pour voir qui joue bien, qui joue mal. Faites des posts. Vous savez combien de personnes ont évolué juste à cause d'un post? Vous savez combien de personnes on a découvert? Vous savez quel business les gens ont fait découvrir juste à cause d'un poste?
Est-ce que vous savez qui nous a contacté? Vous savez qui nous a contacté juste après le post que j'ai fait?